Bonjour à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un haul non. C'est un haul action, pardon. Mais avant de vous présenter mon haul action, j'ai reçu une petite commande que j'ai passée par Wish. Et donc je vais ouvrir ça avec vous. Bon, je crois savoir ce que c'est et j'ai hâte de l'ouvrir, donc c'est parti. Donc, si je me trompe pas, c'est une serviette de plage. Donc c'est une serviette de plage, mais ronde, normalement. Ouais, c'est ça. Et normalement, il y a une tête de mort dessus. Je sais pas si vous allez bien la voir, si je suis droite ou pas. Tac. Elle est comme ça. Elle est un peu grande, j'arrive pas. J'espère que vous l'avez vue. Voilà, avec des fleurs autour. Comme ça. Bah, elle est top quoi. Et quand je l'ai vue sur, sur le site, j'ai craqué. Et en plus, elle est ronde et j'en ai pas de ronde. Et donc j'ai dit, bah, allez, je la prends. Et pour le prix, par contre, je l'ai pas en tête. Je vous le mettrai quelque part dans la vidéo. Mais franchement, j'ai comparé, c'est ça qu'il faut faire surtout sur les sites chinois, c'est comparer les autres articles de la même, du même style, de la même façon, et voir s'il n'y a pas moins cher. Et celle-là, c'est la moins chère que j'ai trouvée. Donc je vous ai dit, je vous mettrai le prix à quelque part, et puis voilà. Donc on passe du coup à notre haul action. Donc oui, je disais, c'est très rare que j'aille chez Action. L'Action le plus proche de chez moi, il a environ une heure de route. Donc autant vous dire que je n'ai pas une heure de route tous les jours. Donc c'est très rare que j'y aille. Et ben, là, j'y suis allée. J'avais envie de me faire plaisir. Donc j'ai fait Action et Noz, que je vous montrerai après. Donc on va commencer. Alors, on va commencer par un petit déodorant de la marque Dove. Il fait donc 250 ml. Et donc ce déo m'a coûté 2,89 €. Voilà. Alors, ensuite, nous avons ceci. C'est une éponge pinceau. Donc, vous avez un de ce côté et un autre là. J'essaie de sortir pour, mieux vous le montrer. Hop. Donc, il y en a un, l'embout, il est comme ceci. Et l'autre côté, il est plus aplati. Donc voilà comment ça ressort. Et donc c'est de la marque Max & More. Et donc cette éponge m'a coûté 0,92, donc 92 centimes. Donc voilà. Et du coup par contre dans le sac ça va un petit peu aplati, je ne sais pas si vous allez voir. Elle est un petit peu aplatie. Le papier là, c'est la peau écrasée. Ouais, bon. C'est pas bien grave. Du moment que ça fait son effet. Alors, ensuite, hop. Monsieur Gouret. Parce que j'ai pris notre crotte. Enfin, notre machin là. Une éponge, je me suis gourée.
Celui-ci, il coûte 1,29€, pardon. 1,29€. Bref, désolé pour la boulette. Alors, donc du coup, j'en étais là. J'ai pris de la marque Monsieur Propre un nettoyant multi-usage. Et il y a une contenance de 500 ml. Voilà. Et senteur, c'est fraîcheur, c'est fébreze quoi. Fraîcheur, fébreze. Voilà. Donc, Monsieur Propre m'a coûté 1,49€. Voilà. Donc, du coup, l'éponge, celle-ci, donc c'est celle-ci, qui m'a coûté 92 centimes. C'est celle-ci qui m'a coûté 92 centimes. Hop, et elle est comme ça. Voilà. J'en ai moi, mais elle commence à devenir un peu vieille, un peu usée. Donc voilà. Pour le prix, ça va. Hop. Alors. Ensuite, j'ai pris. Hop. Des petits sachets pour mon chat. De la marque Gourmet. Et alors, Crème paprika. Ah non, ah, je me trompe à chaque fois. Ah voilà, gourmet, si c'est ça. Trois, oui, j'en ai pris trois. Et le sachet coûte 59 centimes. Voilà. Et c'est tout seul à dinde, les trois. Et les trois sont à la dinde. Donc j'ai dit le sachet coûte 59 centimes, donc les trois m'est revenu à 1,77€. Franchement, ça va. Je pense que quand même en grande surface ça coûte largement plus cher. Ensuite, nous avons toujours pour le chat des sachets de la marque Félix. Donc là-dedans, oui, c'est là-dedans qu'elle a 4. Et donc ça m'a coûté 1,56€. Remarque, pour le prix, j'aurais pu en prendre 2. Je suis en train de me dire que ouais. J'aurais pu en prendre 2. C'est pas grave. Il meurt pas de faim, et s'il n'y a pas ça, il y a des croquettes. Il a tout ce qu'il faut, ce chat. Donc ça, c'est au thon, je crois. C'est marqué en français quelque part. Saumon et thon. Voilà. Je vous ai dit le prix ou pas? 1,56€, au cas où. Oui, je l'ai dit. Bah oui. Alors. Ensuite, alors. J'ai craqué. J'ai longtemps regardé, longtemps hésité, et puis ben je l'ai pris. The. C'est une palette pour les yeux. Oui, c'est ça. Eyeshadow. Palette. C'est le numéro 602. Voilà. 602 Natural Flirtation. Je suis pas très calée en anglais. Pas m'en vouloir. Hop, je la serre. Derrière, vous avez les noms et les numéros qui correspondent aux couleurs. Voilà. J'espère que vous voyez un petit peu. Et elle se présente comme ça. Voilà, ce sont sympas les couleurs quand même. Je
Je pense que je vais vous faire un petit swatch. Hein. Vous n'êtes pas contre, hein? Je vais peut-être pas tout swatcher, hein. On va faire Celle-ci, par exemple. Pas faire comme la dernière fois. là. Voilà. Ensuite, je vais vous swatcher celle-ci. Ça fait un violet. Par contre, l'odeur, elle est pas terrible. Donc le violet. J'ai peut-être pas assez pris de matière. Ah voilà. Il faut y aller quoi. Je vais vous faire celle-ci. Et en dernier, je vous ferai la plus sombre. Si vous voyez, ah si, là on voit, hop, là, celle-là, et donc la dernière, la plus sombre, je vais la fermer, voilà, ouais, c'est pas fou fou, mais par contre sur les doigts ça se voit bien, mais sur moi, sur là, pas pareil, je trouve. C'est mieux comme ça. Ah, je sais pas. Bref. Voilà pour la palette. Il est où, pardon? Allez. Hop, je vais mettre ça là. Je refais quoi moi maintenant, hein? J'ai mes doigts tout cracra. Bref. Et le dernier article. Hop, c'est ceci. C'est un désodorisant. Comme ceci, qui fait 250 millilitres. J'ai pas encore testé l'odeur. Hein. Bon. On va voir ça en direct. Ça sent bon. J'aime bien. Bon ça. Et donc, le désodorisant m'a coûté 1,52€. Donc voilà. Franchement, je n'avais pas eu pour cher, même pas eu 20 euros, 14 euros en tout. Parce que j'ai aussi acheté le sac Action. Donc voilà pour ce haul. Je vais encore partout sur les doigts. Je sais pas quoi faire. J'ai pas compris. Je vais suivre après. donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça va être très très rare hein, les hauls Action, je préfère vous le dire d'avance. Si j'en avais un à côté de chez moi, je suis sûre que j'irais plus souvent. Enfin, peut-être pas tous les jours non plus, mais une fois par mois, ça peut être pas mal. Donc j'espère que mes petits achats, vous avez trouvé sympathiques. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vos impressions, vos avis. Si vous faites souvent des achats chez Action, si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas donc à me dire tout ça en commentaire, à mettre un petit j'aime si ma vidéo vous plaît, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si c'est fait, bah, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour suivre toutes les vidéos que je vais faire, parce que donc du coup, comme je vous ai dit, je vais faire une petite vidéo du haul Nose. Et bientôt on va suivre aussi une vidéo des produits terminés parce que là on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà, bah, je vous laisse, je vais m'essuyer les doigts. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.